Euh, vraiment, moi, je m'appelle Patrice Marie, je suis berger euh, pour euh, Pascal euh, Père Morte. Euh, ça fait, ça, je vais venir ici pour la troisième année euh, sur une montagne qui est en limite de la montagne de Chaudin, que euh, M. Jean-Michel Bertrand appelle. La vallée des loups, mais ici la vallée des loups, ça fait rire tout le monde, parce que ça n'existe pas, la vallée des loups. Ici, c'est, on parle de la montagne de chaudin, où il y a encore des troupeaux en crête, euh, des bovins euh, en bas. Et puis euh, cette, vallée, cette montagne de chaudin, elle est en limite avec l'alpage, que moi je garde dans le col de Rabou, Et je découvre dans le film... Euh, de M. Bertrand, que ce monsieur est venu filmer, mais ça ne me surprend pas parce que je l'ai croisé à plusieurs reprises dans l'été. Tiens sans... ah, vu Patrice, ça c'est ma brebis, puisque là on reconnaît bien la médaille. Ça c'est aussi ma brebis. Ouais. Ça c'est mon troupeau, là tu reconnais bien la médaille mais, tout à fait. derrière. Mais, mais là aussi. Ouais. Là on voit bien ma marque au niveau des brebis. Tu as vu, là, c'est la, la, montagne du Valandan, On voit la couchade avec la petite cabane à côté. Et puis là, il y a eu des attaques. Parce qu'en fait, il y a eu des attaques dans tout le secteur. Là, là, regarde, là. Il est dans son duvet, là. Euh, mais c'est juste à côté, la, à côté de la cabane, ça. Quoi. Donc, euh, je veux dire, tu as des gens qui viennent dormir à côté de toi, même si la, la montagne, elle est à tout le monde. Hein, ils viennent s'installer, ils viennent faire. Et tu, tu as les chiens, toi, que tu dois gérer. Euh, et tu si t'es pas prudent tout le temps, eh ben, voilà, il aurait pu se faire, bouffer, se faire dévorer dans la nuit par les patous, puis après, aller, aller se plaindre. Euh, moi, ce monsieur, je l'ai croisé, euh, euh, croisé et vu au moins une vingtaine de, de, de fois dans l'été, euh, soit à pied, soit dans son 4x4. À pied, je suis passé à côté de lui, ce monsieur ne m'a pas parlé, mais je, ne sachant pas qui il était, je n'avais pas de raison de, de l'interpeller non plus, quoi. Euh, il est venu une euh, nombre fois en 4x4 à 11h du soir ou même des fois à 5h du matin. Les chiens aboient, tu te demandes euh, qui s'aventure la nuit comme ça dans la montagne. Euh. Donc euh, quand j'ai découvert le visage de ce monsieur euh, sur les films, j'ai oui, moi je le connais. En plus, euh, c'est pénible. Il côtoie le même territoire que le mien, pour une raison qui lui appartient, sur laquelle j'ai pas... Il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Mais quelqu'un qui vient régulièrement sur un, sur un lieu, il essaye au moins de se faire connaître, quoi. Ou de me dire... Euh, de venir me dire bonjour, puis me dire ce soir, si vous voyez un véhicule monter à minuit, l'heure du matin, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Voilà. Donc ça, non, euh, il a circulé euh, pour faire ce qu'il avait envie de faire, euh, tout l'été, et puis euh, probablement depuis des années qu'il qu fait ça, il filme des endroits qu'on retrouve dans les films sans en demander l'autorisation à personne, euh, bon, euh, heureusement pour lui qu'il n'y a pas notre, euh, un, notre visage euh, sur ces films, parce que là, le droit à l'image, ça, ça, ça serait chaud pour lui, quoi. parce que c'est une personne qui nous, met, qui nous met extrêmement en colère à travers ce qu'il dit dans son film, et, euh, et l'image qu'il a sur le territoire, qui n'est pas bonne du tout, et le mépris qu'il a pour les éleveurs euh, par son comportement. Euh. Ce qui m'énerve de son film, ce qui m'énerve, c'est qu'il est venu filmer des brebis à côté de chez nous. Hein, et que dans le film, aucune, il, il ne montre aucune brebis prédatée, alors que s'il avait voulu filmer des brebis prédatées ici pour vraiment respecter les éleveurs, il n'avait qu'à demander aux éleveurs. Voilà, ça, il ne l'a jamais fait. Et pour nous, c'est euh, de voir des belles images comme ça, avec la réalité de ce qu'on vit, c'est insupportable. Il a le droit de parler des loups. Et les gens ont le droit de dire que c'est un animal magnifique. Les gens ont le droit de rêver avec ça. Mais ce qui met moi très en colère, c'est qu'on s'est complètement passé sous silence la réalité de cet animal avec les, les, avec les éleveurs, les, les animaux domestiques que sont les brebis, et notre travail à nous. C'est devenu. Euh, euh, de la folie douce, quoi. Si on veut protéger notre bétail, hein, non seulement il faut mettre en place ces mesures de protection euh, qu'on qu décrit tous, per présence permanente, c'est même écrit dans les documents, présence permanente d'un du, berger, comme si on pouvait être présent 24 heures sur 24. Ils n'ont jamais pensé à dire présence de plusieurs permanentes. Permanence. Non, ils disent présente, permanente au, au masculin, chaîne de protection, euh, regroupement nocturne. Malgré tout ça, on se fait quand même avoir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 vigilants. Ça, c'est impossible. J'ai travaillé tout l'été moi avec une montre connectée par la mutualité sociale agricole, suivie par le médecin du travail. Le bilan à la fin de l'été, c'est 4 heures de sommeil pendant plus de 3 mois de moyenne. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des nuits entières, parce que tout individu finit par tomber de sommeil. Quoi. Donc, et aussi pour me préserver, il y a des moments où je me disais, bon là je fais le pari que ça va être calme, je dors pour essayer de récupérer. Qui qu disent qu'ils s'entendent bien avec les bergers et les, et les éleveurs, ben oui, mais qui viennent nous voir, qui ne qu parlent pas à notre place et qui ne racontent pas autre chose que notre réalité de ce, ce qu'on vit, qui voilà. qu est qu l'enfer. Faire des belles images quand il fait beau, ok Mais quand on est dans le brouillard euh, pendant trois jours, que les loups attaquent, là on les voit pas les, les, les gens avec les caméras, on, on les voit pas les promeneurs non plus, quoi. J'ai suivi l'animal vulnérable. Moi, ce mot, ça m'est insupportable. L'animal vulnérable qu'il décrit, c'est le loup qui, qui, qui suit, soi-disant, pendant 300 km. Qui peut croire à cette histoire-là, qu'il a été capable de suivre un loup pendant, euh, pendant 300 km, quoi Et nous, nos animaux, ils sont vulnérables. Vulnérables, malgré tout ce qu'on fait, ce sont des animaux domestiques. Et euh, qu'il qu ose dire que c'est un animal vulnérable parce qu'il a quitté sa meute pour aller s'installer ailleurs, euh, sans parler de la vulnérabilité de nos troupeaux, de la, la misère de notre travail, mais, euh, mais dans quel monde on est, quoi. Le loup est en train de conquérir de nouveaux territoires. Donc euh, les gens savent que le loup, il va arriver, et puis pendant plusieurs années, il ne se passe rien. Jusqu'au jour où il est là, où ils sont plusieurs, et, et ils se servent. Mais nous, sur nos territoires, où le loup est présent depuis 30 ans maintenant, il y a, ça n'existe pas. Et inévitablement, le loup va venir se servir. Voilà. Et il y a peut-être des bergers qui disent Moi, n'ai pas, pas eu d'attaque. Sauf que quand ils comptent les bêtes à la fin de l'été, il n'y a jamais le compte. Jamais le compte. Parce qu'une attaque surprise, hein, euh, quand on garde dans les bois par mauvais temps, ou par brouillard, ou les patous, euh, ont pas pu euh, déceler la présence du loup, le loup qui va écarter deux bêtes, qui va les embarquer dans les bois, qu'on ne les retrouvera jamais, le berger a l'impression de ne pas avoir eu d'attaque le soir quand il est rentré. Quoi. Sauf qu'à la fin de l'été, bilan, hop, tiens, il en manque cinq, il en manque sept. Où sont-elles où sont passées Voilà. Moi, j'ai je, je vis Depuis 20 ans, je vis ça. Voilà. Chaque année, ma grosse... Euh, euh, incertitude, aller jusqu'au dernier jour. Quand on compte avec les éleveurs et qu'on arrive à un compte juste, eh ben là pour moi c'est un régal. Mais je peux dire il y a longtemps que ce n'est pas arrivé. Il est dit dans ce film aussi, euh, par un berger que personne ne connaît, qu'il n'a jamais eu d'attaque pendant 4 ans. Quoi. Donc qui peut dire ça quoi Moi je le connais bien. Hein, Jusqu'à présent j'étais porte-parole des bergers de France. Voilà, hein, donc euh, j'en je connais de, 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 depuis 40 ans, j'en connais beaucoup dans le département. Aucun berger ne peut dire ça, aucun. Parce que ça peut être le cas une année ou deux. Hein, mais inévitablement, maintenant, le loup, il est partout, surtout sur ces territoires. Quoi, et inévitablement, on se fait attaquer. Quoi, voilà. Donc, qui ait, qu ait des bergers qui puissent dire ⁇ ça n'a pas été méchant, le loup m'a pris qu'une ou deux brebis ben ⁇ évidemment, maintenant avec la présence permanente, les chiens de protection, euh, euh, parle par de nuit, euh, il y a beaucoup plus d'attaques maintenant, avec moins de, de, de gros dégâts comme il y avait avant, de 35 ou 40 bêtes tuées. Là maintenant, c'est régulièrement deux ou trois par-ci, par-là, et à la fin de l'été, il en manque euh, 7, 12, 15 et plus. Quoi. Donc, mais, les, mais tous les bergers ont, qui ont eu des attaques euh, on les voit, on, pour la plupart on ne les voit plus parce que ce sont des gens qui ont abandonné le métier voilà. ça devient la, moye, la durée moyenne de bergère et berger aujourd'hui moins de 35 ans au bout de 4 ans pour les hommes ils arrêtent et 5 ans pour les filles je n'ai pas l'explication pourquoi il y a un an d'écart entre les deux voilà. Donc, et c'est tous des gens qui découvrent le métier qui causent à cause des attaques et de la, la difficulté dans laquelle ça les enferme, enferme d'être sur le qui vivent jour et nuit, au bout de 4 ou 5 ans, basta, je vais faire, je vais faire autre chose. Et ça devient un, un problème pour recruter des bergers maintenant. Voilà. Donc, donc tous, les, tous les bergers euh, ont, ont, sont confrontés au loup.